l'époque où j'étais taulière d'un petit bordel qu'on a fermé. Je passais des journées entières à lire Baudelaire et Mallarmé. Le samedi, quelques sous-maîtresses que j'avais connues en saison venaient m'apporter leur tendresse et des nouvelles de leur maison. Où sont passées les maisons closes où je coulais des jours si doux? J'avais alors un teint de rose et l'on était à mes genoux. Je rencontre mes pensionnaires, pauvres enfants, sur le boulevard. Elles travaillent en solitaire et leur sourire fait peine à voir. Je les amène prendre un verre de grenadine au bar du coin. Elles me content leur misère. Hélas, nos beaux jours sont si loin. Où sont passées les maisons closes où je coulais des jours si doux? J'avais alors un teint de rose et l'on était à mes genoux. Un ami très riche et très tendre qui m'adore depuis 20 ans un jour a fini par comprendre et m'a rendu le cœur content. Au lieu de la maison douillette où l'on venait acheter du bonheur, il veut m'offrir à la Villette un cinéma pour amateurs. Où sont passées les maisons closes où je coulais des jours si doux? J'avais alors un teint de rose et chez moi vous étiez chez dans les comptes d'apothicaire. 20 ans, c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sont morts à la guerre, de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connus un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes 20 ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Dans votre petite mémoire de lièvre, bonhomme, il vous est souvenu de notre amour du coin des lèvres, amour nul et non avenu, amour d'un sou qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa perte.
Il est mort, il est embelli. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. J'ai mis ma tenue la plus sombre et mon masque d'enterrement pour conduire au royaume des ombres un paquet de vieux ossements. La terre n'a jamais produit, certes, de canailles plus consommées. Cependant, nous pleurons sa perte. Elle est morte, elle est embaumée. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Dans Paris tout bleu, sous la lune, un soir de juin, elle marchait en somnambule, les yeux lointains. Mais ni Paris bleu ni la lune n'existaient pour elle ce soir-là. Chagrin d'amour ou peur de vivre, elle avait 16 ans. Lui, il flânait en solitaire, le gros Lulu, un peu rond et la cinquantaine, peut-être plus. Il serait passé sans rien dire, mais quelque chose l'arrêta. Ce désespoir à la dérive, il l'aborda. Devant son air triste, il parla des mots gentils. Elle ne l'écouta même pas, mais le suivit. Elle aurait bien suivi le diable, alors pourquoi pas celui-là? Elle lui trouva l'air d'un bon diable, il l'amena. Elle avait une maison de riche, le gros Lulu. Il y amena cette biche aux yeux perdus. Elle ne raconta pas sa vie, il ne la lui demanda pas. Mais comme on fait pour une reine, il l'installa. Pour la guérir, il l'entoura de mille soins. Il cueillit les plus belles roses de son jardin. Pour lui redonner des sourires, il devint poète et ami. Il inventa des tours de pitre. Elle sourit. Mais les bourgeois et les duchesses, les relations, à leur façon chuchotèrent dans les salons. Elles avaient beau dire et médire, le gros Lulu, il savait bien que même en rêve, il ne nous a jamais la main.
jamais la main sur sa princesse qu'avait 16 ans. Et ce qui était un peu plus sage ou moins méchant se demandait qu'est-ce qui brille chez le gros Lulu transformé. Et qu'est-ce qui lit donc cette biche à ce sanglier? À 16 ans, les désespoirs passent et simplement, elle le quitta sans un mot de remerciement. Lui, il ne la crut pas ingrate, les mots, ça sert peu, voyez-vous, dans un sourire, ils se quittèrent, et voilà tout. Il y perdait comme sa vie, le gros Lulu. Mais c'est après son départ qu'il s'en aperçut. Elle y gagna une chose comme un talisman et bien plus. Pouvoir penser quand tout est moche. Au gros Lulu. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi? Pas.